Alors, bonjour à cette conférence. Donc, on va parler un peu de trois choses: Tiny, OpenRP, Odoo. Deux noms que vous connaissez peut-être, Tiny, OpenRP, parce que c'est des noms qui sont là depuis assez longtemps, le monde open source. Et puis, un troisième qui est Odoo, qui est tout neuf, parce qu'en fait, il est sorti le 15 mai, c'est-à-dire juste la semaine passée. Vous présenter un petit peu l'histoire de ce logiciel et puis vous présenter le logiciel lui-même. Moi-même, donc, je suis Jacques-André Brard, je suis le responsable de la société OpenNet. Créer la société, ça fait maintenant 14 ans. On fait d'open source depuis le début. On est aussi partenaire OpenRP, moi je suis certifié OpenRP, etc. Mais si vous voulez, entre guillemets, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui par rapport au produit, entre guillemets, c'est en voix off, c'est pas en tant que responsable de la société, en tant que partenaire officiel, etc. C'est un petit peu l'histoire qu'on a vécue en suivant ce logiciel, les questions qu'on se pose autour, et ça relate, je pense, un peu l'évolution de certains logiciels autour de l'open source. Donc il y a 10 ans, on a quelque chose qui arrive qui s'appelle TinyRP, avec deux mots, un mot tiny pour dire petit et une fourmi. La fourmi étant le symbole de quelque chose de petit qui fait beaucoup. L'idée à ce moment-là est d'avoir un logiciel qui soit extrêmement compact, donc c'est modulaire, c'est écrit en Python, c'est basé sur du Postgres, et qui va pouvoir réaliser beaucoup de choses. Le but, dans les premières années du fondateur du projet et ensuite de la société OpenRPSA, c'est que l'ERP tienne sur une disquette, les petites disquettes en 44 noires, qu'on avait à l'époque, en disant, si je donne quelque chose qui est open source, et que je donne quelque chose qui est open source qui fait 25 millions de lignes, jamais personne n'arrivera au bout de sa lecture, au bout de sa compréhension. Donc finalement, je donnerai tellement de choses à lire, tellement de choses à étudier, que personne ne pourra les comprendre. Je vous donne pas la bibliothèque d'Alexandrie, je vous donne la collection des que sais-je. Et là, j'ai une chance que vous puissiez comprendre l'ensemble. Ça, c'était la première version, il y a 10 ans, du site web. Hein. Typique site web de l'époque, en layout. On trouve un GNU, on trouve un pingouin, on voit qu'il y a du Linux, on voit que c'est d'open source. Donc, tous les keywords, en fait, en guillemets, de l'époque, hein, je dirais. Et puis aussi, on retrouve un petit peu les fonctionnalités qu'on va retrouver aujourd'hui. Hein. On voit déjà qu'on parle d'e-commerce, on voit déjà que on parle d'un système complet, de sur-mesure, etc. Mais en se référant clairement, en disant, voilà, c'est de l'open source, c'est du GNU, c'est avec le pingouin qui est dessus. Et la licence, à ce moment-là, est une licence un petit peu double, vu que dans un premier temps, vous allez avoir le système ERP lui-même, et qui va être en GNU, GPL, et dans un deuxième temps, on va avoir un développement qui va être financé par un partenaire pour faire un client web et qui passe sur une licence OEPL, en fait une licence dérivée de la licence Mozilla avec un certain nombre de restrictions, hein, vu qu'on ne pouvait pas changer, par exemple, le logo, etc. On devait toujours avoir le logo hein, Made by Tiny et Axelor. Et le système a évolué, cette restriction était un petit peu embêtante pour tout le monde, et à partir d'octobre 2009, de la version 6.1, ils vont remplacer le client web, remplacer ces éléments et passer l'ensemble du système sous licence AGPL. Derrière, si vous avez quelqu'un qui a 10 ans en arrière a fini ses études, hein, commencé à faire un ERP, et puis en parallèle, créer une société, créer un réseau de partenaires pour se faire aider. Les ressources de la société à l'époque, c'est finalement à travers le réseau des partenaires, vu qu'on va payer pour faire des formations, etc., à travers du consulting qu'ils vont revendre sur des projets plus complexes, et à travers des projets en share funding. Ils ont lancé à ce moment-là plusieurs initiatives en share funding. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Moi, j'ai aussi connu ça avec d'autres éditeurs open source qui disaient, voilà, on fait un share funding. On dit ça va coûter 20 000 euros, chacun met 500 euros. Ça démarre très bien, et puis quand on arrive à 19 500 euros, il n'y a personne qui veut mettre le dernier 500 euros parce qu'il sait qu'il va être le dernier à payer, et puis le prochain, il va l'avoir en GPL. Donc, cette tentative-là, j'avais aussi connu, j'ai été partenaire aussi avec EasyPublish, même problème. Hein, on arrive jusqu'à 50-60% du budget, et on n'arrive en fait jamais à la fin. 2008, et une date importante, en fait, le produit change de nom. L'aspect ERP est conservé, mais le Tiny disparaît.
Par contre, la fourmi reste. L'idée de l'éditeur à ce moment-là est de dire, OK, on commence à avoir un certain succès, on commence à aller voir des directeurs de plus grosses boîtes, on commence éventuellement à être envisagé en concurrence avec des systèmes open source, et si on s'appelle Tiny, et c'est un petit peu difficile. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça a aussi arrêté de tenir sur une disquette avec un 1,4 mégas. Donc, le passage se fait sur le nom OpenERP pour dire, OK, c'est un ERP, c'est open source, on marie les deux choses, ça s'appelle donc OpenERP. Et on voit apparaître des éléments qu'on va revoir revenir 6 ans plus tard, qui sont par exemple One Need, One Module. Pour chaque chose que vous voulez, hein, vous avez un élément. On l'avait déjà en 2004, parce qu'en 2004, on disait c'est modulaire. Là, ça s'exprime de façon plus claire. Il y a un need, un module. On voit aussi qu'on a une version on-demand. Donc, on a l'apparition d'une offre dans le cloud. Et puis, on a un focus qui est important. Si vous voulez passer les trois logos, si vous voulez, sont au même niveau sur le site, sur hein, la communauté, qui est quelque chose d'important à ce moment-là pour l'éditeur, pour bâtir son système. Donc, le modèle commercial chez eux s'enrichit, hein, ils ont aussi des recettes, parce qu'ils ouvrent un centre en Inde d'offshoring pour faire du développement offshore. Ils nous proposent aussi, pour des projets importants, de sous-traiter via l'Inde. Vient se greffer une nouvelle problématique, qui est celle de la migration. Dans les versions 2, 3, 4, si vous voulez, d'OpenERP, personne ne s'en préoccupait. Les clients étaient nouveaux, ils entraient dans le système. Là, il commence à y avoir un legacy, et il y a un problème qui se pose par rapport à la migration. Et là, l'éditeur dit, OK, moi, je suis l'éditeur, je vous remets gratuitement un programme AGPL entièrement, mais vous comprenez bien que j'ai besoin de recettes, j'ai besoin de fournir des services, donc va fournir, commencer à fournir un service de migration, va aussi commencer à fournir des certifications pour les formateurs. Le système on-demand Open ERP, 4 lettres, on va les retrouver tout à l'heure parce qu'elles font O, D, O, O. Donc, c'est en fait à ce moment-là qu'un petit peu par hasard, ils achètent ces 4 lettres en .com. En 2008, il y avait peut-être encore des 4 lettres en .com. En 2014, il n'y en a plus. Et en fait, si on revient à quelque part le pourquoi de Odoo, on est obligé quand même de revoir que c'était aussi un nom de domaine qui était encore disponible et qui appartenait à la société en question. Le 15 mai, c'est-à-dire la semaine passée, changement de nouveau, ils décident de se renommer avec une nouvelle stratégie. Il y avait une nouvelle version qui allait sortir, hein, que nous on appelait déjà OpenERP V8. En fait, elle s'appellera Odoo 8. La fourmi disparaît complètement. L'ERP disparaît aussi, parce qu'il est vu comme quelque chose qui fait peur. Quand on dit, et c'est vrai, une entreprise, est-ce que vous voulez un ERP? 50% des gens partent en disant « Oh là là, vous me proposez un truc qui va être très compliqué, auquel je n'arriverai jamais au bout, etc. » Donc, ils enlèvent les ERP parce que ça fait peur. Ils enlèvent aussi Open parce qu'ils se disent finalement, aujourd'hui, les gens, ils veulent plus savoir si le logiciel est open source ou pas open source. Ils veulent savoir qu'est-ce que le logiciel va faire. C'est ça qui est le plus intéressant. Et dans le faire, il y a le sous-jacent du « comment va-t-il le faire ?» avec ou sans possibilité de le modifier, avec ou sans modularité. Et si on enlève la fourmi, l'ERP et l'open, en fait, il aurait éventuellement resté le tiny, mais le tiny avait déjà été enlevé. Donc finalement, on se retrouve avec le nom de domaine qu'ils avaient à l'époque, hein, qui est Odoo. Et ça, c'est des captures, si vous voulez, de l'écran. Si aujourd'hui, vous tapez openerp.com sur le web, vous allez être redirigé sur odoo.com. Et on voit typiquement, hein, ce qui est mis en avant, c'est simplement, ben, c'est facile, c'est dans le cloud, il suffit de cliquer, hein, il suffit de payer. On ne voit plus du tout la notion que c'est open source. On a une notion quand même que c'est gratuite pour 2 utilisateurs. Mais gratuite ne veut pas forcément dire libre. Donc on a une évolution, si vous voulez, entre un logiciel qui au début nous mettait des gnous et puis des pingouins pour dire je suis open source et qui maintenant finalement dit voilà, je fais quelque chose, je coûte pas cher, hein, accessoirement je suis flexible, etc. Mais c'est vraiment de l'ERP, on est passé à un pure player open source. Si on compare un petit peu, ça c'est les Google Insight pour montrer un peu l'évolution des recherches, hein. Alors on voit les deux noms successifs, hein, OpenERP qui était en Tiny ERP qui était là en bleu,
hein, et qui à un moment est repris. On a assez bien le relais qui se fait sur OpenERP. J'ai ajouté deux autres qui sont jaune, Compierre, Alain Pierre. Compierre était en fait le premier logiciel, voilà, peut-être historiquement d'autres, mais si vous voulez, important ERP open source, qui venait en fait d'une équipe d'Oracle qui avait développé ça pour un fabricant américain de pneus et qui ensuite l'a mis en open source dans le but de faire la maintenance, mais qui était basé sur Oracle. Et à un moment donné, on se retrouve ici avec Adin Pierre, qui était en fait un fork de Compierre, où les gens ont dit, mais enfin, pourquoi devoir mettre Oracle? Donc avoir une licence, même une licence mini, à l'intérieur d'un logiciel open source. Donc ils ont fait une version avec une indépendance de base de données. Et on voit vraiment, si vous voulez, Compierre qui était vraiment devant tout le monde, qui se fait manger à la fois par Adam Pierre, qui est le fork direct, par le binôme Open Tiny et OpenRP, et puis aussi Open Bravo, qui est un autre logiciel open source qui a eu peu connu en Suisse, mais qui a eu une forte évolution dans d'autres pays, et qui finalement a été pendant longtemps devant le binôme Tiny OpenRP, qui aujourd'hui est retombé, à mon avis, simplement parce que deux choses. Il n'y a jamais eu de localisation complète, par exemple, en Suisse, mais ça ne nous concerne que sur le marché suisse. Et plus globalement, c'était quelque chose de beaucoup plus lourd. La force d'OpenRP, finalement, ça a toujours été la fourmi. Hein, c'est effectivement un code extrêmement compact, extrêmement concis, qui peut faire beaucoup de choses. Donc, plus je fais de choses avec un minimum de lignes de code, plus quelque part je tire profit de l'aspect open source de ce code. Maintenant, les questions qui se posent un petit peu autour, hein, on voit un petit peu le modèle Compierre Adin Pierre. On voit qu'il y a eu un fork, ensuite Compierre a été racheté par une autre société. On se pose la question, en tant que les gens qui ont été actifs dans le projet depuis le début, un petit peu quelle va être la place des contributions. Parce qu'on contribue à un projet qui est mis en avant comme un projet open source, c'est quelque chose. Quand on contribue à une plateforme online qui coûte 12 dollars par user et par mois, c'est différent. Et ça veut aussi dire que les attentes de l'éditeur vis-à-vis de nous, elles changent. Quelque part, ils attendent de nous d'être des revendeurs de l'option à 12 dollars. Hein, plutôt que d'être des développeurs. Et là, il va y avoir dans 10 jours une grosse réunion justement en Belgique avec beaucoup de questions. On voit ici, l'éditeur est tout à fait ouvert là-dessus, hein, parce que lui-même organise, dans le cadre de ses journées, hein, une discussion autour de l'avenir d'une association communautaire autour du programme. Il y a des gens qui ont démarré des programmes pour faire de la migration de version en version et de faire de la migration open source, qui fait qu'à ce moment-là, j'ai plus besoin des prestations d'éditeur. Et puis, toute une branche, maintenant, qui se développe aussi, qui est une branche en parallèle de la branche éditeur, qui est une branche communautaire. Donc, il y a un peu un moment charnière où est-ce, finalement, est-ce que l'éditeur va continuer à arriver à fédérer les gens autour du produit, ou est-ce qu'on va avoir quelque part une version qui sera GPL, de toute façon, l'éditeur est engagé là-dessus, mais qui serait une version cloud, avec plein d'add-ons, CMS, e-commerce, etc. Et puis une version peut-être différente, plus qui resterait finalement sur fondamental ERP avec la communauté. Donc c'est vraiment beaucoup de choses qui se passent, je dirais, en ce moment. Le produit lui-même, je vais vous le montrer, il est là. Non. Il est ici. Donc, ça se présente aujourd'hui sous une interface web. Et puis, vous avez différents domaines fonctionnels. Hein. J'aurai ici les ventes avec différents partenaires. Je retrouverai la comptabilité. Je retrouverai les achats, etc. Et par exemple, ici, je vais voir que dans mes achats, hein, je m'excuse, la largeur de l'écran, c'est vraiment pas taillé pour du 600-800. Mais on peut quand même voir que j'ai une proposition d'achat que le système m'a fait, et je peux voir que cette proposition d'achat vient d'une origine. Donc le système m'indique pourquoi est-ce qu'il propose d'acheter. En fait, ce OP001, c'est une règle de stock que j'avais qui disait que je devrais avoir au minimum 10 roues en stock, et j'avais pas 10 roues en stock. Donc le système va me proposer d'acheter mes 10 roues. Pour imprimer, envoyer par courriel, je peux aussi confirmer la commande, c'est-à-dire confirmer au fournisseur que je veux commander ces 10 roues. Qu'est-ce qui va se passer après? Les boutons rouges, soit je reçois les articles, soit je reçois la facture.
Admettons que je reçoive les articles, donc c'est le bon de réception, je vais recevoir les articles que le système m'avait proposé d'acheter en fonction de mes quantités en stock, qui étaient insuffisantes, et je vais recevoir mes produits, je pourrais faire une réception complète, partielle, mettre un numéro de série, etc. Mais bref, je reçois mes articles dans mon stock. Donc je peux voir, par exemple, si je vais dans ma liste d'articles, eh ben, que parmi ces articles-là, il y en a un dont j'ai une quantité en stock de 10 et l'autre, j'en ai pas. L'autre, c'est des vélos. Et en fait, le vélo, c'est un petit exemple qu'on a préparé. Eh ben, un vélo, ça se fabrique de façon assez simple. Dans notre cas, vu que pour un vélo, il faut en fait un cadre, deux roues et 1h30 de montage. Vélo extrêmement basique. Donc ça permet de dire, par exemple, j'aurai un client potentiel. Ce client, je vais lui faire un devis. Je vais le prendre ici et puis je vais lui vendre un vélo. Voilà, je vais vendre ce vélo-là et je vais livrer à, il sera facturé à la société, mais je vais livrer à un de mes collègues. Et puis, je vais ici ajouter donc mon produit, un vélo, par exemple deux vélos, mettons trois vélos. Voilà, on va lui acheter trois vélos. On voit le prix de vente, le prix de revient. Donc, je vois directement la marge que j'ai dessus. Je vois aussi que ces vélos, ils sont sur commande. C'est-à-dire, lorsque je vends des vélos, je vais fabriquer des vélos. Donc, j'enregistre mon devis. De nouveau, je pourrais l'envoyer par courrier, je pourrais l'imprimer, etc. Mais je peux aussi confirmer la vente. Et en confirmant la vente, facture, évidemment, mais aussi bon de livraison. Et quand je vois dans le bon de livraison du vélo, je vois ici que mon vélo, il en attend de disponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai forcément un ordre de fabrication qui va avoir été préparé parce qu'il va falloir que je fabrique mon vélo. Et je vais voir ici que j'ai effectivement un ordre de fabrication pour faire trois vélos, comme je l'ai vendu. Et pour cela, il va me falloir 6 roues et 3 cadres. Alors, les roues, on avait fait d'approvisionnement tout à l'heure. Ça va être, c'est bon, on va en avoir. Par contre, les cadres, on s'en est pas occupé. Donc, qu'est-ce qui va se passer à côté? Je vais aussi avoir de nouveau une proposition d'achat du système qui va dire, OK, tu as vendu 3 vélos, très bien, mais il va maintenant falloir acheter également les cadres qui vont avec. La connectivité au réseau va revenir. Voilà, elle est revenue. Donc, j'ai mon devis pour donc passer commande de mes trois cadres, même processus. Je vais confirmer la demande. Le fournisseur va m'envoyer mes cadres. Voilà, j'ai mis trois cadres et je vais pouvoir marquer que je les ai reçus. Donc, j'ai reçu mes cadres. Je peux, si je suis chef d'atelier, retourner au niveau ma fabrication. Et là, je vois que mon ordre de fabrication est prêt à produire. Le système me dit, OK, tu peux commencer, tu as tout ce qu'il faut qui se trouve actuellement en stock. Donc, je vois ici les six roues, les trois cadres. Et puis, je vais commencer à fabriquer. Donc, je vais consommer et produire. Je peux faire une fabrication partielle, etc. Ce qui va se passer là, je vais fabriquer le tout. Et puis, je vois que ce qui était autrefois des articles à consommer, R, est maintenant passé dans des articles consommés. Et je vois aussi que dans les produits finis, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai effectivement obtenu mes trois vélos. Donc, si je revenais et que le client m'appelait en me disant qu'est-ce qui se passe et que je suis au niveau du responsable de l'entrepôt, je peux aller voir dans mes bons de livraison et puis je vois, maintenant, effectivement, les vélos, ils sont prêts, vous pouvez venir les chercher, je peux vous les livrer. Donc, je livrerai mes vélos à mon client final, je pourrais imprimer un bordereau de livraison et si je suis le vendeur, je reviendrai dans mon bon de commande et là, je vois que ma commande est à facturer. Ça veut dire que j'ai fait ce que je devais faire pour le client, je lui ai livré les vélos. Par contre, je lui ai pas encore fait la facture. Donc, à ce moment-là, je ferai la facture qui va avec ma livraison de vélo. Je pourrais afficher ma facture qui, évidemment, est prise avec les montants, avec la TVA, etc. C'est
Très simplement, si vous voulez, pour montrer un petit peu le flux, on pourrait faire aussi un flux avec de la prestation de service, avec des tâches, des heures, des pointages, etc. Mais c'est pour que vous ayez un petit peu une idée. Finalement, on nous demande des fois, mais que fait un ERP? Puis on répond un petit peu, ça fait tout. Hein, ça fait tout ce qui peut être souhaité dans l'entreprise. Voilà, rapidement, il reste quelques 5 minutes à peu près, pour des questions sur à peu près n'importe quoi, je dirais, sauf l'aspect purement technique de codage et de développement. Juste le micro qui peut s'allumer, il y a un peu capricieux. Oui. Alors, on va commencer par une question du proche. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a beaucoup de customisation demandée par vos clients? La présentation, il y a des fonctions qui manquent par rapport à la gestion de leurs produits ou autre chose. Est-ce que c'est systématique ou bien c'est en général un ERP suffit peut-être Donc la question est, est-ce qu'il y a beaucoup de customisation à faire ou est-ce que généralement ce qui est déjà dans les ERP suffit? Alors je dirais, on encourage les gens à customiser au minimum. Plus vous customisez, plus vous vous éloignez du standard, plus vous allez devoir maintenir votre adaptation à travers le temps. Maintenant, il faut voir que dans le pack de base, si vous voulez, vous avez environ 280 modules qui sont fournis par l'éditeur, sur lesquels l'éditeur peut s'engager. Et ensuite, au total, dans la communauté, parce que l'éditeur représente aujourd'hui environ 250 personnes, la communauté représente 550 partenaires, donc l'ensemble en termes d'individus, 550, c'est des entreprises partenaires. Hein, maintenant, si je prends le total d'individus, ça fait plusieurs milliers de développeurs, c'est toujours un petit peu difficile à compter, mais en tout cas, il y a environ 3000 modules additionnels complémentaires disponibles sur le GitHub de l'éditeur. Maintenant, ces modules ont été développés par une personne à un moment T dans le temps pour une fonction X. C'est peut-être pas forcément la bonne idée de le prendre et d'installer chez vous. Par contre, c'est toujours intéressant de lire le code de quelqu'un d'autre qui marche avant de s'attaquer à la rédaction de son propre code. Il y aura-t-il une autre question? Non, personne? Bon. C'est bon, merci beaucoup. D'accord, merci à vous. Sinon, s'il y a d'autres questions, on est un petit peu. Vous sortez un petit peu à gauche et vous allez tout droit et vous nous retrouverez dehors pour des questions plus précises. Okay. Merci. Alors,